Jean-Luc Blanche, cet homme a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour une série de viols. Perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. C'est beaucoup. C'est dire que les jurés l'ont trouvé dangereux et pervers, extrêmement pervers. Et s'il n'a pas tué, il n'en était pas loin. Il était sur le point de franchir ce cap quand il a été arrêté. Et dire qu'il s'était trouvé au tout début de son épopée de violeur, un juge pour décider de le laisser en liberté quand tout le monde lui suggérait de l'envoyer derrière les barreaux. Ce juge a voulu lui faire confiance. Dans les semaines qui ont suivi, Blanche a violé 5 fois. Vouziers, 5000 habitants au cœur des Ardennes, 60 km de Reims. Le 12 juillet 2003, une femme, Laurence, pousse la porte de la gendarmerie. Elle vient porter plainte contre son compagnon. Cette personne me déclare qu'elle est concubine de monsieur Jean-Luc Blanche, lequel est son concubin depuis quelques mois, et que sa fille a été victime d'une agression sexuelle, à savoir des attouchements, voire même peut-être une pénétration, par son concubin. Mais les faits se seraient produits au mois d'avril, fin avril. Ce jour-là, et comme chaque matin, la fille de Laurence s'était glissée dans le lit de sa mère pour un câlin avant de partir à l'école. Mais pour une fois, Laurence avait dû se lever plus tôt pour accompagner son aînée au collège. Et Nadia, la petite de 9 ans, s'était retrouvée seule dans le lit avec Jean-Luc, le compagnon de sa maman. Quand la mère est revenue, la petite semblait terrorisée. Nadia était en train de pleurer dans la salle de bain. Et elle m'expliquait que Jean-Luc lui avait fait du mal, qu'il lui avait mis les doigts. Et voilà. Et après, Jean-Luc m'a dit « j'ai fait une grosse bêtise ». Et voilà, le mal était fait. Ensuite, Blanche avait menacé la mère si elle portait plainte. Si je parlais, il trouvera le moyen de me zigouiller. Voilà. C'était plus Jean-Luc que j'avais connu avant. C'était plus du tout pareil. Il devenait blanc et on voyait que là, quand il parlait, c'était sérieux. C'était du sérieux ce qu'il disait. Pour une maman, c'est dur. Mais c'est vrai qu'il fallait que je le fasse. Ça, c'est sûr. Mais ça me rongeait tous les jours. J'étais rongée par l'envie d'y aller, mais j'avais peur. J'avais peur. Laurence avait fini par surmonter cette peur pour venir tout raconter aux gendarmes. Les gendarmes qui demandent tout de suite à entendre l'enfant. Alors on voit qu'elle est gênée et puis on voit qu'elle a quand même un problème. C'est pour ça qu'avec l'enquêtrice qui procédait à l'audition avec moi, on en a conclu l'un comme l'autre qu'on apportait une crédibilité à ce que l'enfant nous disait. Le gendarme convoque alors Jean-Luc Blanche. L'homme n'est pas loin, il travaille depuis 15 jours aux pompes funèbres de Vouziers. Le 13 juillet, en début d'après-midi, il pousse la porte de la gendarmerie. C'est monsieur tout le monde qui se présente à la gendarmerie. Il était calme, serein, hein, il n'était pas inquiet, et très posé, hein, mais très peu loquace. Dès son arrivée, Jean-Luc Blanche est placé en garde à vue. Mais il n'a rien fait. Pour lui, c'est un coup monté par sa concubine. Hein, depuis le début de sa garde à vue et pendant les 4 auditions que nous avons eues, il ne va pas déroger à ce qu'il disait. Sa concubine s'est servie de lui pour subvenir à ses besoins. Actuellement, ayant des problèmes financiers, puisqu'il n'avait plus d'argent malgré son travail, elle a trouvé ce stratagème d'histoire avec sa fille pour pouvoir l'évincer et se débarrasser de lui. Dès la première audition, on s'est rendu compte qu'on n'obtiendrait rien de lui, puisqu'il savait très bien qu'on n'avait aucune preuve matérielle, puisque c'était simplement les dires de la gamine contre ses dires à lui.
pour moi, il ne faisait aucun doute qu'il s'était livré à ses attouchements. Pour moi, c'est un calculateur et c'est un individu qui sait très bien ce qu'il faisait, quoi. Car le casier de Jean-Luc Blanche n'est pas vierge. En 1992, il a été condamné à 20 ans de prison pour le viol de trois jeunes femmes. À l'issue de sa garde à vue, il est mis en examen à Charleville-Mézières. Le juge des libertés doit décider de son sort, au vu de son casier judiciaire, mais sans disposer des expertises psychiatriques antérieures. Paul-André Breton, au mois de juillet 2003, vous êtes juge des libertés au tribunal de grande instance de Charleville-Mézières. Que vous demande le procureur de la République et le juge d'instruction qui vient tout de même de le mettre en examen pour des faits de viol? En ouvrant l'information, le procureur de la République a requis un placement en détention et le juge d'instruction saisit le juge des libertés de la détention, c'est la procédure. Tous les deux vous demandent le placement en détention provisoire de cet individu? Tous les deux le demandent. Et pourtant, vous décidez l'inverse, de le laisser en liberté sous contrôle judiciaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Dans le dossier, j'ai M. Blanche, qui est accusé d'un fait unique, dont la date n'est pas très précisée, dont la date est incertaine, qu'il nie. Nous n'avons pas d'éléments matériels. Il a un domicile qu'il peut fixer chez sa mère, à Reims. Il a un emploi. Et une mesure de contrôle judiciaire apparaît suffisante compte tenu des garanties de représentation qu'il offre. N'oublions pas qu'il a été convoqué à la gendarmerie à la suite de la plainte de sa concubine et qu'il s'y est rendu simplement, spontanément. Oui, mais il a un passé quand même de délinquant sexuel. Il a un casier judiciaire. Il est en état de récidive. Potentiel, certes, puisqu'il est présumé innocent. Alors les faits sont d'une nature sensiblement différente. Il a été condamné pour des faits de viol, il est mis en examen pour un acte qui s'apparente plus à un acte de pédophilie, donc les faits ne sont pas de même nature, et dans le dossier, il n'y a aucun élément de personnalité qui permette d'accréditer l'idée qu'il aurait un passé psychiatrique qui serait susceptible de justifier un placement en détention. En quoi consiste le contrôle judiciaire ? Donc là, j'ai décidé de lui interdire de sortir du département, de l'obliger à résider chez sa mère à Reims, qui est dans le département de la Marne, un autre département, voisin certes, mais différent, et de l'obliger à pointer une fois par semaine au commissariat de police pour justifier de sa présence, en même temps que je lui interdisais, bien évidemment, de chercher à entrer en contact de quelque manière que ce soit avec, évidemment, l'enfant et, évidemment, son ex-concubine et tous les témoins qui avaient été entendus dans le cadre de la procédure. Jean-Luc Blanche est donc écarté de la vie de Laurence et surtout de celle de la petite fille. Mais trois semaines plus tard, la mère porte plainte à nouveau. Elle est à l'hôpital et affirme que Jean-Luc Blanche l'a agressé. Elle a le visage tuméfié. Elle présente effectivement la plaie au niveau de la pommette gauche. Et on recueille son audition. Donc elle nous déclare, elle nous nomme son agresseur comme Blanche Jean-Luc, hein, son ancien concubin. Il avait dit qu'il se vengerait. Et a priori, donc, c'est ce qu'il a fait dans la nuit du 9. La jeune femme raconte. En pleine nuit, Jean-Luc Blanche est revenu. Il est monté sur le toit et il est rentré chez elle par une fenêtre ouverte. Il était 3h moins le quart du matin. Je dormais avec mes deux filles en haut dans la chambre et j'ai entendu du bruit dans la cuisine. J'ai dit aux filles, on descend. On est descendu, je suis descendue la première. Je suis arrivée en bas de l'escalier. Jean-Luc était caché là, ici, juste derrière l'escalier. Je suis arrivée. Mais il m'a lancé un grand coup de poing dans le visage. Et je me suis retrouvée par terre, inanimée.
C'est une voisine qui a entendu les filles de Laurence crier. Elle a crié « Jean-Luc est là, il frappe maman ». Donc elle a percuté tout de suite. Et c'est là qu'elle a appelé la gendarmerie pour qu'une patrouille intervienne de suite. Mais Jean-Luc Blanche a déjà pris la fuite. Quand les secours arrivent, Laurence et ses filles sont en état de choc. Il m'a cassé ma machine à laver, mon frigo, ma voiture. Et Laurence remarque que son ex-concubin a sorti d'un tiroir un couteau à viande. Il venait pour me tuer, de toute façon. C'est clair. Heureusement que j'avais mes enfants, je pense. Que j'avais mes deux filles. Parce que je crois que je serais morte. Le lendemain, les gendarmes se lancent à la recherche de Jean-Luc Blanche. Il est introuvable. J'apprends qu'il travaillait sur Vouziers chez un entrepreneur. Je prends contact avec cet entrepreneur qui nous dit que depuis le 13 juillet, il n'est jamais revenu travailler chez lui. Je prends également contact avec la mère de Jean-Luc Blanche, chez qui il devait être domicilié. J'apprends qu'il n'y est jamais allé. Et je prends contact également avec le commissariat de Reims, où il devait pointer dans le cadre de son contrôle judiciaire. Et j'apprends qu'il n'y est jamais allé non plus. L'homme est en cavale. Le juge d'instruction de Charleville-Mézières lance un mandat d'arrêt contre lui. Capitaine Oliver, le 13 août 2003, un mandat d'arrêt concernant Jean-Luc Blanche est délivré. Ça veut dire quoi, ça lance ? Ça enclenche quelle mécanique ? Alors en fait, ça enclenche la mécanique que cette personne qui donc est recherchée sur le territoire national est inscrite au FPR, c'est-à-dire le fichier des personnes recherchées. Ça veut dire qu'en n'importe quel point où il peut se trouver, s'il y a un contrôle, il sera obligatoirement interpellé. Et d'ailleurs, à la fin du mois d'août, vos supérieurs vous disent qu'un policier du commissariat de Caen a appelé. Pourquoi est-ce qu'il prend contact avec vos supérieurs ? Il a quelque chose concernant Jean-Luc Blanche ? Alors en fait, effectivement, Jean-Luc Blanche est soupçonné d'avoir commis un viol sur une jeune femme qu'il a enlevée à Caen et sur laquelle donc il a commis des viols. Et cette victime donc l'a formellement identifiée. Et porté plainte. Et a porté plainte, bien entendu, contre lui. La victime a 19 ans. Elle s'est présentée au commissariat de Caen le 25 août. Céline habite rue des Jardins, un studio au premier étage d'un petit immeuble. Vers 4-5 heures du matin, un homme s'est introduit chez elle. Je me suis réveillée en pleine nuit avec un homme sur mon dos, une main sur la bouche et un couteau sous la gorge. Et les mains dans le dos attachées par une corde. Mon agresseur, que je ne voyais pas qui était dans mon dos, me disait qu'il avait besoin d'argent et qu'il fallait absolument sortir de l'appartement. Il avait besoin de mon sac et de ma carte bleue et que je devais faire le code pour lui donner de l'argent. Puis il quitte le studio. Il descend les marches de son immeuble. Elle est toujours ligotée, les mains dans le dos. L'agresseur est derrière. Et puis, il marche environ 50 mètres jusqu'à un parking, jusqu'à une voiture, une Volkswagen, polo noir. Et l'agresseur installe Céline à l'avant du véhicule. J'ai remarqué qu'il n'y avait pas de loquet à droite, donc impossibilité pour moi de sortir. Et il s'installe, l'air serein, et on prend la voiture et on sort de la ville. Je me suis dit, il aurait dû prendre le centre-ville pour trouver un distributeur rapidement. Il a fait le contraire, il a pris tout de suite le périphérique. Et là, j'ai commencé à avoir peur. C'est là où j'ai commencé à m'agiter, à paniquer. Parce que je me suis dit, il cherche pas du tout d'argent, là. Là, on va sur le périphérique, direction Mondeville. Rien à voir. Je paniquais, j'avais la voix qui tremblait, j'étais vraiment pas bien. Ah, il me regardait pas. Il souriait tranquillement et en regardant la route. Ils continuent leur chemin et ils arrivent après Pont-l'Évêque,
donc sur une petite route de campagne sinueuse, aux limites du Calvados et de l'Eure. Et l'individu rentre dans un petit chemin de terre et il immobilise son véhicule. Et là, je me suis dit, c'est bon, il va m'arriver quelque chose de très, très, très mauvais. Donc je pensais agression, je pensais meurtre, tout de suite. Je vais me faire tuer. Il se retourne vers moi et il me dit très calmement, il faut que je t'avoue quelque chose. Donc moi, quoi? En fait, voilà, mon travail, c'est d'enlever des jeunes filles et je fais partie d'un réseau de trafiquants. Et donc, j'ai rendez-vous ici avec des hommes dans une camionnette et qui vont t'emmener en Europe de l'Est où tu vas être prostituée. Et il lui fait comprendre que si elle accepte de coucher avec lui, bah, il la vendra peut-être pas à ses complices russes ou turcs. Et elle a pas le choix, hein, mais... C'est la peste ou le choléra, quoi. Elle choisit la moins pire des solutions. On se retrouve près d'un tas de bûches, dans une sorte de petite clairière, avec évidemment rien autour de la forêt, personne pour nous voir. Et il avait tout prévu, il avait une serviette, il l'a mise par terre. Et il lui dit, comme ça, je mets la serviette pour pas que tu te mouilles. Drôle de phrase, drôle de moment, drôle d'endroit. Bon, c'est un peu bizarre. Il m'a demandé de m'allonger. Donc j'étais sur le dos, toujours attachée. Et donc il m'a violée à ce moment-là. Il me relève. Je crois qu'il me détache et il s'assoit à côté de moi et il veut me parler. Et là, il me dit que sa femme l'a quitté et qu'il est triste. Enfin, il essaie de me faire pitié, en fait. Et puis, il me ramène à la voiture. Il en a terminé avec moi pour l'instant. Sauf que là, l'agresseur continue son petit jeu en faisant semblant de partir. Il arrête la voiture, il redémarre, il arrête. Ah, je sais pas quoi faire, j'hésite. Et il met une pression terrible, hein, sur Céline. Et il me dit, en effet, oui, mais là, je perds un gros contrat. Si je dis que je t'ai perdu, ils vont plus avoir confiance en moi. Ils voudront plus que je amène d'autres filles. Je vais perdre mon travail. C'est quand même une sacrée somme d'argent. Moi, je le supplie de me ramener. Il a promis. Elle sait vraiment plus quoi faire. Et donc là, elle dit, je préfère encore coucher une deuxième fois avec toi plutôt que d'être vendue à ces personnes-là. Céline et son agresseur reprennent donc la route jusqu'à un petit chemin derrière un champ de maïs. Et là, l'homme viole Céline. Une deuxième fois. Et ça a été extrêmement violent à ce moment-là, et très long, et très douloureux pour moi. Ça a été le pire. Ensuite, l'homme, comme il l'a promis à Céline, prend la direction de Caen. Il est plus calme, comme si ses viols l'avaient apaisé. Et il avoue à Céline qui lui a menti. Peut-être parce qu'il était justement rassasié, il m'a avoué que ce n'était pas vrai, que toute cette histoire qu'il avait, toute cette histoire au sujet de la camionnette, des hommes de l'Est, de l'enlèvement, du prix que je valais, toute cette histoire, il l'avait inventée de A à Z, juste pour pouvoir abuser de moi. Dans mon esprit, ça a fait l'effet d'une bombe. Vraiment, j'avais une haine pas possible pour cet homme qui m'avait manipulé de A à Z. Je n'avais qu'une envie, c'était de partir, mais en même temps de sortir cette haine. Et là, Céline fait preuve d'un sang-froid invraisemblable. Et tout d'un coup, il me dit qu'il a envie d'aller
uriner, et tourne à droite, dans une petite rue où forcément il n'y a personne. Il sort un cutter, rouge, et il menace Céline. Il lui dit « Toi, tu es trop futé, je sais que tu vas parler. » Puis après, il va pas plus loin, il lui dit « Je vais t'emmener avec moi dans le sud. » Comme des amoureux, ou comme si il me proposait un week-end, quoi. Alors moi, j'étais horrifiée, je me suis dit « J'ai déjà vécu quelques heures, c'est un supplice, je ne peux plus. » Il amorce un demi-tour et Céline profite de la manœuvre. Elle arrache les clés de contact et les jette par la fenêtre ouverte. Et dans la foulée, elle jette dans le fossé le portable de son agresseur. Le temps qu'il réalise qu'il me regarde avec des yeux de tueur et qu'il me fonce dessus, j'avais pris son cutter de vitesse. Il allait me poignarder ou je ne sais pas trop quoi. J'ai pris son cutter de vitesse. J'ai tiré d'un coup très très sec. C'était quitte ou double. Et j'ai gagné le quitte ou double. Et j'ai eu le cutter. L'agresseur sort du véhicule et il va chercher les clés, parce qu'il n'y a plus de clés pour conduire. Il cherche les clés. Peut-être qu'il cherche son téléphone portable. On ne sait pas trop. Et j'en profite pendant ces quelques secondes où il n'est pas dans la voiture pour regarder dans son sac. Et donc j'ai pris très rapidement le permis de conduire. Et le temps qu'il arrive, je l'avais pris avec moi, je l'avais caché. Mais elle n'a pas le temps de le regarder parce que son agresseur revient dans le véhicule. Elle le menace et dit « on rentre sur Caen ». Et du coup, c'est elle qui se met au volant et ils repartent sur Caen. Elle tient le cutter à la main, l'agresseur est à côté. À partir de ce moment-là, c'est moi qui avais les commandes. J'avais le cutter, il n'avait plus le portable et il était extrêmement surpris. Il ne cherche pas à reprendre le contrôle, il ne cherche pas à reprendre le cutter, il ne cherche pas à se sauver, il ne cherche pas... On ne sait pas ce qui se passe à ce moment-là. Moi, je m'attendais à ce qu'il réagisse et que je lui plante le cutter dans le ventre. Et que je me défende de toutes mes forces possibles. Et il n'a pas réagi et j'étais aussi abasourdie que n'importe qui l'aurait été à ma place, je pense. Mais j'étais aussi tellement énervée que je ne m'en suis pas tellement rendu compte sur le coup, je pense. Depuis le début, tout le récit est un peu incroyable. C'est une histoire rocambolesque. C'est digne d'un roman. Et c'est vrai que c'est pas forcément crédible. Il y a des détails, on se dit, c'est pas possible. Tellement c'est gros, c'est pas possible. Céline conduit pendant 40 km, le cutter à la main, son violeur assis à côté d'elle. Elle ne s'arrête pas en route, ne va pas voir la police pour demander de l'aide. Elle n'a qu'une idée en tête, rentrer chez elle. Et après 10 heures de calvaire, elle arrive sur son parking. C'est là qu'elle se souvient du permis de conduire qu'elle a subtilisé. Donc je l'ai regardé très rapidement et je lui ai rendu. Parce qu'il m'avait promis qu'il ne faisait plus rien et j'étais encore sous le coup de la manipulation. Et elle retient un nom, Blanche, elle retient une partie de prénom. Elle nous dit que c'était un prénom composé, Jean-Marc ou Jean-Marie. Elle retient l'année de naissance, 1958, et elle retient une partie de la ville de naissance, Gornay ou Gournay. Elle ne s'en souvient pas. Mais c'était déjà énorme pour nous. Les policiers retrouvent tout de suite la trace d'un dénommé Blanche dans leur fichier. Jean-Luc Blanche, l'homme est déjà recherché à Reims. Il est sous le coup d'un mandat d'arrêt pour des attouchements sur mineurs. Donc là, on s'est dit, impeccable, c'est bon, c'est lui. Donc on fait d'autres recherches et quand on voit son passé, quand on voit dans quoi il est impliqué, on se dit, oui, lui, il est capable de faire ça. Est-ce qu'elle a raconté ? C'est vrai. Dominique Rizet, penchons-nous sur le passé de ce garçon, Jean-Luc Blanche. Il a un passé chargé. Hein. Il était condamné en 92 à 20 ans de prison pour 3 viols. Ces 3 affaires, je vais vous les raconter. La première, 27 août 1990, il enlève son ex-femme. Il l'emmène dans une forêt en voiture, il la viole à plusieurs reprises, il tente de l'étrangler avec une cordelette qu'il passe autour d'un arbre. La corde va miraculeusement casser et il lui propose de la ramener chez elle. Elle monte dans la voiture, qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre? Et arrivée à un carrefour, elle ouvre la portière arrière, elle s'enfuit. Deuxième agression, une semaine plus tard, on est le 5 septembre 1990. Elle s'appelle Nathalie, ça se passe, retenez bien cette adresse, rue des Jardins, à Caen. Il arrive chez elle en pleine nuit,
avec un couteau, une bombe lacrymogène, il la menace, il l'emmène dans une voiture, dans une forêt, il la viole et il lui propose ensuite de la ramener tout naturellement, comme si rien ne s'était passé. Elle monte en voiture avec lui et le long de la route, elle ouvre la portière alors que la voiture est en marche, elle se jette hors de la voiture et elle s'enfuit. Une semaine après, 14 septembre 1990, cette fois-ci elle s'appelle Clara, même rue, même ville. Il entre chez elle la nuit, il a son couteau, il la ligote, il la viole. Ensuite, il va parler longuement avec elle, encore une fois comme si rien de tout ça n'était arrivé. Misérable jusqu'au bout, il lui vole son argent dans son sac à main. Il s'en va en la laissant comme ça chez elle, ligotée. C'est terrifiant, Dominique, parce que j'ai l'impression que vous nous racontez là le viol de Céline. Ben, c'est vrai que ce scénario, Christophe, c'est toujours le même. D'ailleurs, quand il va violer Céline 13 ans plus tard, ça se passe rue des Jardins, à Caen. Et ce qu'on apprendra par la suite, c'est que ce quartier, il le connaît bien parce qu'il a lui-même habité dans cette rue. Est-ce qu'il est arrêté après cette vague de viol ? Alors quand il est arrêté, il nie tout en bloc, mais il a cette phrase complètement folle comme lui. Il va dire aux enquêteurs, je sais pas moi, enfin quelque chose dans ce genre-là, je sais pas moi, bah, si toutes ces femmes racontent ça, si toutes ces femmes disent que c'est vrai, bah, c'est sans doute moi. Voilà ce qu'il va leur dire, c'est son explication. Et donc il est condamné en 92 ? Il est condamné en 92, donc à 20 ans de prison. Ah oui ? Il n'en fera que 12. Puisque le temps de la préventive, il est arrêté en 90, il est libéré en septembre 2002. Et ce qui est important, c'est que les experts mettent tout le monde en garde en disant « Attention, le risque de récidive est très important ». Les policiers de Caen présentent à Céline la photo de Jean-Luc Blanche. Et elle reconnaît son agresseur sans hésitation. Pour les policiers, c'est maintenant certain. C'est bien le même homme qui, en un mois, a abusé d'une enfant dans les Ardennes et violé une femme en Normandie. Mais où le chercher ? L'homme est en fuite et les policiers de Caen et de Reims décident d'unir leurs forces. Et cette collaboration va porter ses fruits. Le 26 août, le lendemain, Céline conduit les policiers de Caen sur les lieux des viols. Ils refont ensemble les 120 km qu'elle a parcourus avec son agresseur. Ça a été une épreuve très douloureuse quand je suis revenue sur les lieux avec la police le lendemain, parce que c'était tout frais. Et j'avais toutes les douleurs qui sont remontées en revoyant les lieux. Céline se souvient de tout, de chaque chemin, de chaque clairière. Sur les lieux du premier viol, les policiers ne retrouvent rien, aucun indice. Ils se rendent donc dans le champ où a eu lieu le second viol. Et là, on retrouve plusieurs préservatifs que Jean-Luc Blanche a utilisés au moment du viol. Donc on saisit ces préservatifs, qui seront après envoyés au laboratoire. Puis on continue. Ils arrivent là où Céline s'est révoltée, là où elle a jeté le portable de son agresseur, par la fenêtre. Et donc on a cherché partout. Sur environ 200 mètres, pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, ce téléphone portable qu'on retrouve à cet endroit précis. Il était allumé, il était en fonction, il n'était pas bloqué et on pouvait d'emblée exploiter le répertoire et tout ce qui s'y trouvait, les SMS, tout ce qu'il y avait. Donc c'était la bonne découverte pour finir nos constatations. Sur le portable de Blanche, deux numéros reviennent régulièrement. Celui de Pierrette Varin, sa mère. Et celui d'une certaine Rachida. Elle semble être la nouvelle compagne de Blanche. Toutes les deux habitent Reims. Les policiers de Caen foncent à Reims, persuadés que Blanche est là-bas. Capitaine Oliver, les policiers de Caen vous rejoignent à Reims à la fin du mois d'août. Comment est-ce que vous procédez à ce moment-là, avec eux ? Lorsqu'ils arrivent, la première chose que nous allons faire avec eux, ça va être d'aller vérifier les domiciliations et de la mère de Jean-Luc Blanche et la domiciliation donc de Rachida, qui est donc sa concubine, identifiée comme étant sa concubine à Reims. Ça veut dire que vous planquez devant les domiciles et de la concubine et de la mère ? Exactement, exactement. Ça donne quoi ?
Alors, ça ne donne rien. Ça ne donne rien dans le sens que Rachida va énormément sortir. En fait, elle va souvent rendre visite donc à Pierrette Varin. Et les deux femmes donc se retrouvent. Elles y passent même la nuit. La seule chose qui se dégage de leur comportement, c'est qu'elles sont en attente. Chaque fois qu'il y a un bruit de moteur, de voiture qui monte la rampe, parce que c'est une rampe d'accès au parking qui est en face de chez Pierrette Varin. Elles tournent la tête. Elles tournent la tête, elles sortent sur le balcon, elles regardent. Pour nous, elles attendent. Elles l'attendent. Mais pendant toute la période où les collègues de camp vont être là, on ne le verra pas. Les policiers de camp rentrent chez eux. Et c'est là que le lieutenant Nicolas Cadeau découvre qu'on a posé sur son bureau une fiche d'alerte. Elle s'adresse à tous les commissariats de la région. C'est un avis de recherche pour viol. Il vient de la gendarmerie de Bernay, une petite ville de l'Eure, à 80 km de Caen. Et à y regarder de plus près, le scénario du viol lui rappelle quelque chose. Ce viol a eu lieu le 27 juillet 2003, un mois avant l'agression de Céline. La fiche d'alerte indique que ça s'est passé dans l'Eure, au bord de la Nationale 13. Là, le portrait robot présentait quelques similitudes avec la photo qu'on avait de Jean-Luc Blanche. Les yeux, c'était la même forme. Le nez, c'était exactement le même. Les oreilles un peu collées. Il y a un autre élément qui m'intéresse dans cette circulaire, c'est que l'agresseur était sur la Nationale 13. Or, dans l'histoire de Céline, ce qui avait été un peu troublant, c'est que durant tout son périple, Jean-Luc Blanche avait utilisé que la Nationale. Il n'était jamais repassé par l'autoroute, qui pourtant était à quelques dizaines de mètres de cette Nationale. Le lieutenant Cadeau peut tout de suite vérifier où se trouvait Blanche le 27 juillet, car l'opérateur téléphonique lui a aussi fourni la liste des relais que Blanche a activés pendant sa cavale. Et c'est à ce moment-là qu'on voit que le 27 juillet, eh ben, le téléphone de Jean-Luc Blanche, il se trouve dans l'Eure. Curieux hasard, il aurait pu être à Reims, il aurait pu être dans la Drôme. Ce jour-là, le jour du viol qui fait l'objet de la circulaire, Jean-Luc Blanche se trouve dans l'Eure. Alors le policier contacte tout de suite la gendarmerie de Bernay. Il apprend que le viol a eu lieu vers 11h sur une aire de repos au bord de la Nationale. Une jeune femme, Charlotte, s'y était arrêtée pour un besoin pressant et un homme lui a sauté dessus. J'ai cru mourir, en fait, parce que il a surtout essayé de... J'ai eu une strangulation, essayé de m'étrangler et je me suis sentie partir. Donc là, j'ai eu vraiment la peur de ma vie. Il était très puissant, enfin, je me suis débattue, mais rien à faire. Il a eu le dessus sur moi. Et par la suite, donc, en fait, il m'a violée. Et je dirais que c'était presque un soulagement, parce que comme je me voyais mourir, enfin, la mort ou un viol, finalement, un viol, c'est plus léger, quoi. Ensuite, l'homme a pris la fuite. Je me dis, j'aurais pu prendre la plaque d'immatriculation de sa voiture, mais j'étais tellement enfin, sonnée après les faits que, effectivement, j'ai pas bondi dès qu'il est parti. Et Charlotte est restée seule, pétrifiée, sur l'aire de repos. Pour les policiers de Caen, c'est du déjà-vu. Ils envoient donc aux gendarmes une photo de Jean-Luc Blanche. Et Charlotte le reconnaît immédiatement, au milieu d'autres photos. Les policiers de Reims, ceux de Caen et les gendarmes de Bernay savent maintenant qu'ils recherchent le même homme. À Reims, les policiers restent en alerte. Ils continuent de planquer devant l'immeuble de la mère de Jean-Luc Blanche et devant le domicile de Rachida. Mais c'est le calme plat. Jusqu'à ce qu'une nuit, ils repèrent la voiture de Blanche, une Polo noire, sur le parking. Les policiers de Reims décident d'interpeller le violeur au petit matin quand ils reçoivent
Un coup de fil. Cette fois, ce sont des gendarmes de Chalon-sur-Saône, près de Dijon, qui les appellent. Ils veulent leur parler d'un nouveau viol. Cette fois-ci, la victime est une femme de 36 ans, Solange. Elle habite Géange, un village à 20 km de Chalon. Et son agression ressemble à celle de Céline. Elle aussi était en train de dormir, quand le 4 septembre, à 4 heures du matin, un homme est entré chez elle, alors que son mari venait de partir travailler. Il l'a menacée d'un couteau et lui a ligoté les mains dans le dos. Puis il l'a traînée hors de la chambre, dans le couloir, ce qui a réveillé les enfants. Elle a fait preuve d'un grand sang-froid lorsqu'elle voit ses deux enfants qui se lèvent en disant « Mais qui c'est ce monsieur ?» Là, elle va dire à ses enfants « Calmement, allez les enfants, il n'est pas l'heure, allez vous recoucher. Je vais avec le monsieur, il est en panne avec sa voiture. » Et pourtant, elle a le couteau dans le dos à ce moment-là. Les enfants se recouchent. L'homme pousse Solange dans sa voiture et démarre. Il prend la direction de Mâcon, au sud. Et comme il l'a fait avant avec Céline, il lui joue un scénario ahurissant. Il l'aurait enlevée pour faire pression sur son mari qui aurait des dettes de jeu. Mais quelques kilomètres plus loin, il change de version. Cette fois, il lui sert une histoire de cambriolage, de meubles volés. Ses complices auraient kidnappé le mari de Solange pour utiliser sa camionnette. Lui a enlevé Solange pour la faire taire. Un mauvais polar. La jeune femme est complètement tétanisée. Dans un petit chemin de terre, l'homme s'arrête. Il prétend qu'il doit passer un coup de fil à ses complices. Elle vit dans une ambiance qui est terrible à ce moment-là. À un moment, il la contraint à sortir du véhicule pour faire quelques pas sur ce chemin. Et puis... L'agresseur va lui passer la corde, un lien autour du cou. Il va serrer. Et là, elle se dit c'est fini. Elle se retourne vers son agresseur et lui dit « Allez, finissons-en maintenant. Allez vite, je pue. » Et là, effectivement, elle pense qu'elle va mourir. Et lui va jouer avec ça. Il desserre le lien et remonte dans la voiture. À ce moment-là, Solange est totalement à sa merci. À la nuit tombée, ils arrivent dans la Drôme, dans une vieille maison, inhabitée et isolée. Il attache Solange, dos à la cheminée, les bras en croix. Là, il va commencer par lui donner à boire. Il va lui faire boire de l'alcool, du pastis, pastis menthe, whisky. Puis, il va lui dégrafer son corsage, lui enlever sa robe. Il va s'absenter pour aller dans la pièce voisine, il va chercher un couteau. Et avec ce couteau, il va s'amuser, c'est le terme, il va s'amuser à lui passer le couteau sur la poitrine. Et à ce moment-là, la victime pense qu'elle va être mutilée. Mais l'homme repose le couteau et continue de la forcer à boire. Solange est ivre morte. Elle perd connaissance. C'est là que l'homme la détache, la traîne jusqu'au lit et la viole. Maintenant, il est plus calme. Il va s'allonger à côté d'elle et il va se comporter comme si c'était son épouse. Il va la tenir sur le côté, il va de temps en temps lui embrasser l'épaule, la joue. Les gendarmes sont abasourdis par le récit de Solange, qui vient de leur raconter son enfer avec un calme étonnant. Elle ne pleure pas, elle n'a aucune hésitation dans la voix. Ses propos sont linéaires, très chronologiques et excessivement descriptifs. Je pense qu'elle a dans sa tête ce fait d'être en vie, d'un côté, d'avoir échappé à la mort et d'être en vie en même temps. Elle ne sait plus trop où se situe à ce moment-là. L'homme l'a laissée en vie.
et après s'être montré manipulateur, sadique, violent, il a été attentionné avec elle. Au petit matin, il a invité Solange à prendre une douche pendant qu'il préparait lui-même le petit déjeuner. Il se comporte au réveil comme un mari modèle. Elle s'inquiète de savoir si elle préfère son café sucré, non sucré, si elle veut du lait. Et là, il va lui dire, écoute, je vais te ramener, tu seras à Chalon-sur-Saône vers midi. Elle n'y croit pas. Elle n'y croit pas à ce qu'elle dit. J'ai vu son visage, je sais comment il est, je peux le décrire. Il ne va pas me lâcher, il ne va pas me libérer. Ça va mal finir. Mais il tient parole et reprend le volant. Maintenant, il est calme, presque de bonne humeur. En route, il veut passer un coup de fil, mais son portable est en panne. Alors, il emprunte celui de Solange. Et là, elle va entendre « Maman, je serai présente en anniversaire, ne t'inquiète pas, je viens ». Il dit à sa victime par la suite que sa mère va fêter son 73e anniversaire, donc le mardi suivant. Il le dit comme si Solange était devenue une amie. 300 km plus tard, vers midi, il arrive enfin à l'entrée de Chalon-sur-Saône. Il se gare sur un parking. Il veut fumer une cigarette. Et là, la victime se fâche. Elle prend son téléphone et elle appelle son mari. Elle lui dit « Viens me chercher, je suis à tel endroit, tu viens me chercher dès que tu peux. » Solange se fâche, comme Céline. Et lui, file. Voilà ce que Solange raconte aux gendarmes, qui ne vont pas avoir de mal à identifier le violeur, puisqu'il a téléphoné à sa mère sur le portable de sa victime. Il est facile de l'identifier, elle s'appelle Pierrette Varin. C'est effectivement bientôt son anniversaire, elle va avoir 73 ans, et elle a un fils qui s'appelle Blanche, Jean-Luc Blanche. Et au fichier, ils s'aperçoivent tout de suite que ce Jean-Luc Blanche est recherché pour des faits de viol, notamment par la police de Reims. Ils appellent les policiers qui sont justement sur le point de l'arrêter. Capitaine Oliver, vos planques vont finir par payer. Elles ont été longues, mais fructueuses, puisque le 7 septembre 2003, les policiers de Reims arrêtent Jean-Luc Blanche. Comment ça se passe ? Alors en fait, donc, on a été avisé par la brigade anticriminalité à 23h30 qu'ils ont repéré donc, le véhicule de Jean-Luc Blanche sur le parking. Et on décide donc d'installer cette fois-ci un dispositif plus, comment dirais-je, un peu plus sévère, dans le sens qu'on va se débrouiller pour arriver à installer ce qu'on appelle nous un sous-marin, c'est-à-dire un véhicule banalisé, qui est spécialisé, qui permet de voir à l'extérieur et qui de surcroît est doté d'une porte latérale. Ce qui fait que donc on n'est pas très loin de la voiture de Jean-Luc Blanche, ce qui fait qu'on pourra profiter de l'effet de surprise en ouvrant la porte et de pouvoir donc l'interpeller. Et en fait, on va attendre jusqu'à 10h30 du matin, où là, on va le voir arriver avec deux sacs. Il va arriver vers sa voiture, il va ouvrir le coffre, et au moment où il va enfourner donc ses sacs dans le coffre, à ce moment-là, on ouvre la porte, on est muni des brassards police, bien entendu, on crie notre identité et on l'interpelle. Sans violence ? Sans problème. Sans lui violence. Se laisse faire ? Oui, tout à fait. Il y a absolument... je pense qu'il y a eu l'effet de surprise. Et puis bon, tout se passe très vite en général. Dans ce genre de choses, ça se passe très très vite. Jean-Luc Blanche est conduit en prison. Le lendemain, les policiers de Caen reviennent à Reims pour passer sa voiture au peigne fin, la petite Polo noire que leurs collègues ont saisie la veille. On découvre quelque chose de super important. Pour toutes les affaires, en fait. C'est le fameux lien qui a servi à ligoter toutes les victimes. On retrouve des objets qui appartiennent à Céline. On retrouve des cassettes audio, on retrouve un baladeur CD, on retrouve plein d'objets que Blanche lui avait volés. Et ça n'étonne pas le lieutenant. Blanche, il a des multicartes, on va dire. Il vole. Ils rentrent chez les gens, ils volent leur chéquier, ils volent leur carte bancaire, ils volent leur téléphone. Mais c'est aussi un voleur de voitures. Ils volent des voitures. Il n'est pas uniquement délinquant sexuel récidiviste. Mais qui est
donc ce Jean-Luc Blanche qui semble avoir toutes les caractéristiques du criminel pervers. Jean-Luc Blanche est né en 1958 à la campagne dans une famille très très nombreuse. Les Blanches ont eu 14 enfants. Jean-Luc est le sixième et, comme beaucoup de ses frères et sœurs, il est placé très jeune en famille d'accueil pour maltraitance. Mais 4 ans plus tard, sa mère le réclame et il revient dans sa famille. Il a 8 ans. Tout enfant, même avec des parents maltraitants, souffre de cette situation. Et quand il est revenu, c'est pas pour être accueilli à bras ouverts. Il a pu, pendant cette période-là, relativement idéaliser ses parents. Imaginer avoir un père qui pouvait l'aimer ou une mère qui pouvait l'aimer. Et le retour a été très brutal. À l'époque, la famille habite pauvre. Un petit village au fond des Ardennes. Dans cette maison, en face de la ferme où le père travaille comme ouvrier agricole. Avec ses frères et sœurs, Jean-Luc Blanche est dressé à la dure. Il décrit d'abord un père extrêmement violent sur tout le monde, sur les filles, sur les garçons et sur son épouse. Il me donnera en exemple qu'un jour, le père, dans un accès de violence, a cassé une lampe à pétrole sur la tête de sa mère, qui l'a brûlée partiellement. Lui-même était battu, enfermé dans la cave pour une tache d'encre, sévèrement puni pour avoir répondu. Il aurait même été pendu par les pieds et fouetté avec une lanière. L'enfance de Jean-Luc Blanche, c'est Victor Hugo. Manifestement, tout est destruction. Un père qui est violent, qui attache sa propre femme, qui la frappe, qui lui fait manger de la terre. On peut également indiquer qu'il viole les petites sœurs de Jean-Luc Blanche. À partir de là, si vous voulez, il y a une sorte de mécanisme de repli total, plus aucune émotivité, une froideur tout à fait importante chez lui, et il va totalement sortir de son fonctionnement familial. C'est-à-dire, à partir de 17-18 ans, plus aucun contact avec son père, plus aucun. Et puis, il se détache totalement de tous ses frères. À 17 ans, Jean-Luc Blanche devient garçon de ferme et inaugure son casier judiciaire. Il fait plusieurs fois de la prison pour vol et falsification de chèques. En 1982, il quitte les Ardennes et s'installe à Caen. Il se marie. Il habite rue des Jardins. C'est là qu'il rencontre pour la première fois de sa vie un peu d'amour. Mais ses frasques ne cessent pas. Alors après une 7e condamnation, sa femme demande le divorce. Blanche ne le supporte pas. À partir du moment où il est frustré, et on est tous frustrés à un moment donné dans une relation de couple, à partir de là, c'est le démon qui émerge. Chaque séparation réactualise quelque chose de très douloureux pour lui. Comme il a très peu de maîtrise pulsionnelle, le passage à l'acte vient résoudre une tension psychologique qu'il revit et qu'il s'extériorise par un besoin de violence. Pour s'assurer une position dominante avec les femmes, Blanche les plonge dans un climat de terreur. C'est pour ça qu'il leur raconte des histoires macabres. Il a l'impression d'exister. Il est dans un sentiment de toute puissance. L'autre n'existe pas. L'autre devient un objet qu'il peut manipuler à son gré comme il l'entend. Ayant repéré la jouissance et le plaisir qu'il pouvait en tirer, c'est à ce moment-là qu'il répète ce même scénario, parce qu'il y a quelque chose de particulièrement intense, une sensation émotionnelle particulièrement intense qui vit à ce moment-là. Pour les experts, Blanche est un pervers narcissique et sadique, d'autant plus dangereux qu'il ne réalise pas l'horreur de ses actes. Il n'a aucun remords, aucun regret en quelque sorte. Lorsque je lui demande pourquoi il tue pas ses victimes, il me dit parce que je leur fais pas de mal. Sa problématique à lui, c'est qu'il a l'impression de les séduire. À tel point qu'une fois ses tensions apaisées, le démon se transforme en mari prévenant ou en vieux copain inoffensif et obéissant. Après son arrestation, Blanche est immédiatement envoyée derrière les barreaux puisqu'il n'a pas respecté son contrôle judiciaire après le viol présumé de sa belle-fille. Reste maintenant à l'interroger sur les 3 viols qu'il aurait commis pendant sa cavale. Celui de Charlotte dans l'Eure, commis 15 jours après la décision du juge des libertés de ne pas l'envoyer en prison. Puis le viol de Céline, commis 1 mois plus tard à Caen. Et le viol de Solange, commis 1 semaine après dans la Drôme.
Mais qui ? Qui pour l'interroger ? Les policiers de Caen, ceux de Reims ou les gendarmes de Chalon-sur-Saône ? Il faut des aveux circonstanciés. Les magistrats se mettent d'accord. Ce sont les policiers de Caen qui vont conduire tous les interrogatoires. Jean-Luc Blanche n'en est pas à sa première garde à vue. Ça s'annonce serré. Les policiers ont une empreinte génétique, mais ils n'ont pas l'ADN de Blanche qui a toujours refusé de se soumettre à un prélèvement. C'était drôlement important parce que nous, on avait récupéré les préservatifs lors de nos constatations avec Céline et on s'était dit, s'il ne nous parle pas, au moins qu'on récupère son ADN pour l'impliquer de manière formelle dans les faits. Et on a l'idée, on se dit, on va lui payer un café, et puis on va essayer de récupérer son gobelet, et puis on verra ce que ça donne. Le plan fonctionne. Jean-Luc Blanche accepte le café. Il a l'air détendu. Le policier commence en douceur. Et je rentre un peu dans le jeu, et je lui parle de Céline. Et je lui dis, Céline, elle t'en veut pas. Ouais, elle t'en veut un peu, mais elle t'en veut pas plus que ça. Elle va bien, elle est en bonne santé, tout va bien. Et là, il y a un petit déclic qui se produit. Il enchaîne, Jean-Luc Blanche enchaîne, il commence à parler, il répond aux questions, le contact passe super bien, et puis bah, il parle. Et il avoue. Oui, il est bien rentré chez Céline en pleine nuit, armé d'un couteau. Oui, il l'a enlevé et violé deux fois, dans une clairière et dans un champ, près de Pont-l'Évêque. Et il nous parle aussi de ce qui s'est passé sur le chemin retour quand Céline s'empare de son cutter et l'agresse à ce moment-là. L'histoire incroyable était vraie. Il va même plus loin et raconte aux policiers qu'il était déjà venu chez Céline une nuit, mais que l'appartement était vide. Il avait pris une douche, il s'était rasé et en partant, il avait dérobé un double des clés du studio. Pour nous, c'était un repérage évident de sa victime. Ça faisait ressortir à nouveau son côté prédateur. Mais lui disait que c'était le pur hasard. Il n'a jamais voulu reconnaître qu'il avait repéré Céline auparavant. Et Jean-Luc Blanche passe d'un viol à un autre. Après Céline, il y a eu Solange, cette jeune maman enlevée en Bourgogne, près de Chalon-sur-Saône. Là encore, il reconnaît les faits, la route, la maison dans la Drôme, la cheminée, la nuit passée avec la victime. Là, Jean-Luc Blanche, il est tellement dans son... Il revit tellement ses fantasmes pendant cette audition qu'il en arrive à nous dire, pour cette dernière victime, ça, c'est le meilleur coup de ma vie. Tellement il revivait son truc. Intarissable sur ce dernier viol, Blanche ne dit rien en revanche sur celui de la Nationale 13, près de Bernay, dans l'Eure. Je lui demande, est-ce qu'il n'y a pas eu une histoire sur une aire d'autoroute ? Est-ce qu'il y a eu quelque chose ? Il me dit non, j'ai pas le souvenir d'avoir agressé une femme. Il ne dit pas qu'il ne l'a pas fait, il dit qu'il n'en a pas le souvenir, ce qui n'était pas la même chose. Le policier n'insiste pas. Il sait qu'il pourra en apporter la preuve. On a retrouvé un ADN sur le vêtement de la victime et le gobelet dans lequel Blanche est en train de boire son café sera bientôt envoyé au laboratoire. Alors, il le laisse poursuivre. Et Blanche avoue un quatrième viol à Orsay, en région parisienne. Ça, c'est une affaire dont on n'avait absolument pas connaissance. Aucune victime ne s'était manifestée. Même scénario. Il fait nuit, il voit une femme seule devant son ordinateur. Il s'introduit chez elle, la menace, l'enlève, la conduit pratiquement jusqu'à Dijon et la viole. Puis, comme d'habitude, il la ramène chez elle. C'est miraculeux qu'il vous ait ramené. Oui, évidemment. Enfin, après coup, on comprend mieux. Sur le moment, on se pose pas. Enfin, je me suis pas posé cette question-là. Ça. Vous allez porter plainte 10 jours plus tard à Besançon. Pourquoi avoir attendu 10 jours ? Quand il m'a ramenée,
Il m'a fait comprendre qu'il connaissait du monde dans la police et que je n'avais pas intérêt à porter plainte, sinon il le saurait. C'est pour ça que vous avez attendu 10 jours avant de porter plainte ? C'est pour ça que sur le moment, je me suis dit je ne porterai pas plainte. Je lui ai promis, et c'est pas pour la promesse, c'est parce que j'avais peur que derrière il revienne, oui. Et puis au bout de quelques jours, j'ai eu besoin d'aller voir ma tante, enfin la famille, pour expliquer, parce qu'avant j'avais pas vraiment tout raconté à mes proches, enfin quelques proches à qui j'en ai parlé. Et ma tante est quelqu'un qui... avec qui on s'entend très bien, on échange énormément ensemble, donc j'avais besoin d'elle, quoi. Je suis allée vers elle et puis on a passé une nuit, je lui ai tout raconté en détail, et là elle m'a mis les mots sur ce qui m'était arrivé, et elle m'a emmenée, elle m'a prise en charge, j'avais besoin qu'on m'aide. Mais je n'étais pas capable avant de le faire seule. Vous dites qu'elle a mis des mots sur ce qui m'était arrivé. Oui, elle m'a dit « tu as été violée ». Et j'étais incapable de l'exprimer, de le dire. Vous ne pouviez pas le formuler comme ça ? Non. Et elle vous amène au commissariat ? Voilà. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand vous racontez votre histoire aux policiers ? Il y avait un inspecteur qui prenait ma déposition, puis il travaillait en équipe, et quelqu'un d'autre derrière est arrivé en lui disant la personne dont je parlais avait été arrêtée. Et il vous présente même, au commissariat, une photo de Blanche. Ils m'ont présenté cette planche avec plusieurs personnes, et évidemment, dans la seconde, je l'ai reconnue, identifiée. Entre le 27 juillet et le 4 septembre 2003, Jean-Luc Blanche a donc violé 4 femmes. Et il a commis ces 4 viols alors qu'il venait d'être relâché juste après les accusations de la petite Nadia. La police le tenait et il a été remis en liberté conditionnelle. Mais il s'est soustrait au contrôle judiciaire pour récidiver. Et ça, quand la presse l'apprend, c'est le scandale. La justice et la question de la liberté provisoire sont à nouveau au cœur d'une polémique. C'est un violeur en série que la justice a remis en liberté. Contre l'avis du procureur, contre l'avis du juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention décide, malgré ses antécédents, de le laisser libre. Télévision, radio, journaux, 3 jours après l'arrestation de Blanche, le tribunal de Charleville-Mézières doit faire face au scandale. J'apprends ça sur les ondes, dans les journaux. S'agissant de mon tribunal, je me demande quel est le pauvre magistrat sur lequel cette histoire est tombée. Parce que c'est vrai que c'était quand même difficile de se dire qu'on avait remis en liberté quelqu'un qui avait commis tout de suite après une série de viols. Mais au début, le tribunal de Charleville semble penser qu'il n'a pas à s'expliquer. Au moment que la presse nationale s'en mêle et sorte l'info à un niveau donc autre que le nôtre, ici, parce que nous, l'info a été verrouillée, pour que vraiment on se rende compte qu'il y a eu une grosse bêtise de fait. Ce n'est pas une faute, mais un manque d'information, estime le procureur. Des expertises psychiatriques notaient la dangerosité de Jean-Luc Blanche. Elles n'ont pas été transmises au juge. C'est sans doute là qu'il y a des progrès à faire, c'est-à-dire la possibilité de disposer dans l'urgence, parce que là, on n'a pas 3 mois devant nous. On sait immédiatement, dans les 24 heures qui suivent l'arrestation, qu'on puisse disposer de l'ensemble de la documentation juridique et psychiatrique le concernant, ce qui aujourd'hui n'est pas possible. Sous la pression médiatique, Dominique Perben, le garde des Sceaux de l'époque, intervient et remet en cause le statut du juge des libertés de la détention. J'ai déjà eu l'occasion de dire combien j'étais bouleversé par cette affaire et combien je souhaitais que ça ne soit pas à l'avenir possible de nouveau. Et je crois que dans les cas les plus difficiles, il faudrait qu'un magistrat puisse faire appel à un collège de 2 ou 3 collègues magistrats pour l'aider à prendre sa décision. Le lendemain, c'est au tour de Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, de réagir. L'occasion de relancer son projet de fichier des délinquants sexuels. L'affaire de Reims montre de façon terrifiante que j'avais raison de proposer que plus un seul violeur ne sorte de prison sans être obligé de pointer au commissariat ou à la brigade de gendarmerie pour signaler sa présence. En quelques jours, l'affaire Blanche prend une dimension nationale et les juges sont sur la sellette. Au tribunal de Charleville, je crois que tout le monde a soutenu le magistrat en disant que c'est le travail du juge de la liberté, de la détention. Je crois qu'il a analysé à ce moment-là la situation en conscience. Qu'est-ce que vous voulez ? Je crois que vous ne pouvez pas imaginer que,
Jean-Luc Blanche allait commettre ces faits-là derrière. Monsieur le juge Breton, quand vous apprenez que l'homme que vous avez décidé de laisser en liberté, quand le juge d'instruction vous demandait de le coxer et de le mettre en prison, a récidivé 4 fois, qu'est-ce que vous dites ? J'ai appris qu'il avait un dossier médical psychiatrique relativement accablant, si l'on peut dire, qui datait de la période où il avait été incarcéré dans le cadre de l'exécution de sa peine précédente. Dossier qui n'était pas dans les documents que vous avez compulsés au moment où vous avez pris votre décision. Non, seul le casier judiciaire était présent dans le dossier. Il y a une polémique terrible qui éclate dans la presse. Vous êtes au centre de cette polémique. Vous vivez ça comment ? Vous êtes le salopard qu'il a laissé sortir, hein ? En résumé. Disons que les hommes politiques qui se sont exprimés sur le sujet et la presse ont été plus mesurés, heureusement. Assez rapidement, néanmoins, je considérais que la mise en cause personnelle avait été abandonnée au profit d'une réflexion sur précisément le contenu du dossier. La décision, lorsqu'il est apparu que la décision que j'avais prise n'était pas une décision incongrue, dans la mesure où un certain nombre d'éléments pouvaient la justifier, la polémique s'est un petit peu apaisée, ce qui est normal. Le garde des Sceaux, notamment Dominique Perben, laisse entendre qu'il va profiter de cet échec, en quelque sorte, de la justice, puisqu'il y a eu récidive, pour réformer le statut des juges des libertés, comme vous. Ça a eu lieu, ça ? Non, je n'ai pas noté de réforme sensible depuis cette époque. Le ministre de l'Intérieur de l'époque, Nicolas Sarkozy, envisage lui aussi une réforme qui consisterait à obliger les délinquants sexuels, une fois libérés, une fois qu'ils ont purgé leur peine, à aller pointer régulièrement au commissariat, à dire où ils sont. Vous en pensez quoi, vous, de ça ? Bien, je pense que le cas de M. Blanche démontre qu'il ne suffit pas d'obliger une personne à aller pointer au commissariat de police, fût-ce une fois par semaine, pour éviter qu'il commette des faits répréhensibles. À Charleville-Mézières, l'enquête continue. Mais le juge d'instruction se heurte maintenant à un prévenu muet. Blanche a tout dit aux policiers. Il n'a plus rien à déclarer. Le magistrat change alors de stratégie. Il décide de le confronter à chacune de ses victimes. Et pour Céline, c'est une épreuve de plus. J'étais extrêmement stressée, hein. J'étais sous médicaments, sous calmant. J'avais une haine pas possible. Je m'attendais à le voir et à exploser d'une manière ou d'une autre. Dans son bureau, le juge commence par interroger Jean-Luc Blanche. Il n'a pas avoué, il n'a pas parlé, il ne m'a pas reconnu, il n'a pas dit « oui, je reconnais mademoiselle ». Il n'a rien dit. Et quand on me demande si j'ai quelque chose à dire à cet homme, je lui dis « monsieur, je tiens à préciser que c'est un viol que j'ai subi, contrairement à ce que vous semblez croire ». Et je le regarde dans les yeux, je m'avance vers lui, je me penche pour qu'il me regarde. Rien du tout. Il n'en a absolument rien à faire de ce que j'ai dit. Le juge décide d'en rester là. Mais pour Céline, la confrontation n'est pas terminée. En sortant du tribunal, je marchais dans la rue. Lui était dans son fourgon avec tous les gardes et toute la police. Il était enfermé à l'intérieur du fourgon qui me doublait. Et c'est là où je l'ai vu qui me fixait intensément du regard d'un air narquois avec un petit sourire en coin. Et j'ai mis une demi-journée à me calmer de cette vision. Il continuait à jouer, il continuait à se moquer de moi. Les confrontations avec les autres victimes ne mènent pas plus loin. Le juge ne parvient pas à nouer le dialogue avec Blanche, mais il reste persuadé que le prévenu n'a pas encore tout dit. Il saisit donc la police judiciaire de Reims, qui va effectivement constater que Blanche n'a pas vidé son sac. Ce qu'il faut dire à ce point, Dominique, c'est que la liste des victimes va encore s'allonger et c'est la maman de Jean-Luc Blanche qui va aider les policiers. Oui, Christophe. Elle est entendue le 3 décembre 2003 par la PJ de Reims, brigade des mœurs. Écoutez bien ce qu'elle va leur raconter. Elle leur dit qu'elle a surpris une conversation entre deux de ses fils, Jean-Luc et Bruno.
Jean-Luc disant à Bruno, si tu me cherches, je raconte l'histoire de la petite qu'on a violée, la petite du foyer. Les policiers entendent Rachida, qui est la dernière compagne de Jean-Luc Blanche, qui leur dit oui, j'ai assisté à cette conversation, je confirme. La police va rechercher une histoire qui peut correspondre. Donc, et effectivement, les flics vont bien faire leur boulot parce qu'ils vont retrouver un signalement qui était donné par la directrice d'une école où sont placées des adolescentes. Et voilà ce qu'elle a dit, cette directrice. Elle a dit que le 21 juin 2003, deux de ses pensionnaires, une fille de 17 ans et une petite de 13 ans, ont fugué, qu'elles sont parties faire la fête de la musique à Reims. Elles sont revenues le lendemain. Et elles lui ont dit que le soir, elles avaient dormi chez deux hommes qui les avaient hébergés, qui les avaient fait boire et qui les ont violées. Et le lendemain après-midi, l'un d'eux a ramené les deux gamines au foyer. Qu'est-ce que font les policiers ? Ils vont récupérer les deux filles, ils leur montrent des photos des frères Blanche, et les filles disent « Ouais, ouais, ce sont eux ». Jean-Luc Blanche et son frère Bruno sont arrêtés, Bruno nie les faits, Jean-Luc Blanche reconnaît, il dit « Oui, c'est vrai ». La grande de 17 ans était consentante, la petite de 13 ans était consentante aussi, sauf qu'elle nous a dit qu'elle avait plus de 15 ans. Cette petite fille de 13 ans, c'est la sixième victime de Jean-Luc Blanche. Pour la grande, l'accusation de viol ne sera pas retenue, mais pour la plus jeune, oui. Et les deux frères vont être mis en examen dans cette affaire-là pour viol aggravé sur mineur. Jean-Luc Blanche sera jugé par la cour d'assises des Ardennes à Charleville-Mézières. Il comparaît pour attouchement sur mineur, sur la fille de son ex-concubine, Nadia. Pour viol, enlèvement et séquestration de quatre jeunes femmes, Céline, Charlotte, Solange et Martine. Et enfin, pour viol sur mineur, d'Aurore. Dans cette dernière affaire, son frère Bruno est à ses côtés, mais il comparaît libre. Le procès doit durer 5 jours. Ce procès s'ouvre à Charleville-Mézières le 23 juin 2006. Et dès le premier jour, dès son entrée dans le box, Jean-Luc Blanche déconcerte tout le monde. En général, les accusés fuient le regard des victimes, ils ont honte, ils ont toujours honte. Non, lui, il rentre, il les regarde. En gros, comme s'il était content de les voir, comme si c'était des copines, voilà. Et après la pause déjeuner, Blanche en rajoute. Il revient devant la cour, un bras en écharpe. La victime, c'est lui. Il va presque tous les jours nous faire une petite tentative de suicide. Un jour, il s'était, je crois, ouvert les veines. Et le lundi, il avait fait une seconde tentative de suicide à la gorge. Il s'était tapé contre un mur le troisième jour. Et le quatrième, il avait essayé de se pendre avec la chaîne des WC. À la façon de Jacques Brel dans L'Emmerdeur, vous savez, dans les toilettes. Pareil, ça a raté. Enfin, voilà, c'est le bras cassé du suicide, Jean-Luc Blanche. Personne n'y croit. Ça ressemble à une manipulation de plus. Tout ça est une espèce de pression. Il est le personnage central de tout ça. Il dirige, c'est lui qui décide. Il est dans la toute-puissance encore. Les débats s'engagent. Dans le box, Jean-Luc Blanche parle peu. Il semble même ailleurs. Jean-Luc Blanche était pâteau. Il était pas du tout à l'aise. Il se taisait au mauvais moment. Il ne sait pas très bien parler de manière convaincante, disons. Pas très crédible. En revanche, son frère Bruno se défend bec et ongles. Il comparaît pour le viol d'une seule victime, celui de la petite Aurore. Mais il a toujours nié. Il est fatigant. Il est toujours en train d'expliquer voilà, il n'était pas là, que c'était pas lui, mais... Ça dure des lustres, quoi. Ça dure des minutes et des minutes. C'est il se perd même. S'il se perd, explique-t-il, c'est parce qu'il vient de perdre un être cher. Je me souviendrai toujours de ce moment. Bruno Blanche est debout face au micro qu'on lui a installé, hein, un grand micro parce qu'il est très grand, et il met sa main sur le cœur comme ça. Il a perdu sa femme, comme il dit. En fait, c'était une concubine qu'il avait retrouvée. Qu'elle a été assassinée et quasiment il est en deuil.
Entre les frères, aucun regard, aucune complicité. Alors tout le monde attend avec impatience le témoignage de leur mère. La cour veut en savoir plus sur Jean-Luc Blanche, sur son enfance cassée. Mais très vite, c'est la déception. On avait une femme extrêmement dure, une sorte de bloc monolithique, là, comme ça, tout petit, qui vient vous dire, mais moi, mes fils, ce qu'ils ont fait, c'est inadmissible, je les reconnais plus, j'ai plus de fils, j'ai plus d'enfants, c'est des salauds, on dit ça comme ça. Et puis, si on lui dit, mais combien vous avez d'enfants? Elle ne sait plus le nombre. Si on leur demande les prénoms de ses enfants, elle ne le connaît pas. Les dates de naissance d'enfants, elle ne connaît pas. On aurait pu sentir chez les deux frères une émotion de voir leur mère quand même. Voilà. Il se passe rien. C'est des gens qui n'ont plus d'émotion. Qui n'ont plus d'émotion. C'est la mère qui a dévoilé l'affaire de la petite Aurore. Son témoignage est primordial. Mais devant la cour, elle reste évasive. Rachida, la concubine, vient alors témoigner. Elle aussi a entendu les deux frères parler de ce viol. Mais au tribunal, elle est incompréhensible. À une question qui était posée par le président, elle faisait une réponse qui pouvait durer 10 minutes, un quart d'heure, pendant laquelle tout le monde se regardait, et on ne comprenait rien. Et moi qui mets le micro à gauche, le micro à droite, de devant, en me disant ça va aller mieux, et rien ne va mieux, alors la cour d'assises a eu un fou rire. Rachida repart, et la cour n'a rien appris de sa vie avec Jean-Luc Blanche. Les femmes qui l'a violée s'avancent alors à la barre. Céline, puis Charlotte. Puis Martine. Dans son box, Jean-Luc Blanche écoute ses trois premières victimes sans broncher. À un moment, le président a réussi à lui extorquer quelques regrets et quelques excuses à l'égard de ses femmes, mais il y a été bien invité par le président. Au fil des récits, c'est une escalade de violence qui se dégage. De viol en viol, Blanche est devenue de plus en plus brutale. Jusqu'à Solange, la dernière victime séquestrée toute une nuit dans une maison de campagne. Sur son corps nu, il a promené son couteau. Quand elle vient témoigner, l'accusé l'interrompt. Il se lève et elle dit « elle non ». Alors le président lui dit « mais elle non quoi ?»« Elle non, je m'excuserai pas parce qu'elle, elle était consentante ». Elle a poussé un cri, quoi. C'était insupportable à entendre, cette insinuation d'un lien qui aurait existé entre eux, qui aurait été un lien réel et consenti, quoi. C'était insupportable. Bon, là, je dirais qu'au niveau de la défense, on a des grands moments de solitude. Bon, c'en était un. Là, on a vu comme il était. On a vu son vrai visage. Et pour moi, c'était le moment le plus fort, parce que là, j'ai retrouvé cet animal. Pour moi, c'est même quasiment pas un être humain, c'est un animal qui, de temps en temps, arrive à se contrôler et de temps en temps, n'arrive pas. Maintenant, les experts psychiatres sont à la barre. Ils expliquent que l'accusé est un homme dangereux, peut-être incurable, et qu'il est capable de tuer. Lorsque le président se retourne pour demander à Jean-Luc Blanche ce qu'il en pense, il n'écarte pas du tout cette hypothèse. Il dit oui, c'est possible. La défense était chancelante, maintenant elle est à terre. En tout cas, il a effectué devant la cour d'assises un suicide judiciaire. Messieurs, mesdames les jurés, ne me libérez pas, je suis extrêmement dangereux, et si vous n'en êtes pas convaincus, je vous le dis, je tuerai la prochaine fois, c'est ma prochaine étape. Sur leur banc, les victimes sont tétanisées. Ça a fait beaucoup d'effet à Solange, forcément. C'était la dernière. Ça a fait de l'effet à tout le monde. Mais Solange était vraiment près de la mort. Vraiment, vraiment près de la mort. Après 5 jours de débat, le verdict tombe. Perpétuité, assortie de 22 ans de sûreté, c'est très lourd pour des affaires de viol. 8 ans pour son frère Bruno. Je m'attendais à ce que Bruno Blanche crie son innocence jusqu'au bout. Il est condamné, il ne dit rien. Il part. Jean-Luc Blanche se lève,
président lui dit voilà, vous êtes condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, rien. C'est-à-dire que vous êtes plus embêté pour sa perpète que lui. C'est quand même extraordinaire, ça. Jean-Luc met un petit coup de coude à son frère, il dit non, t'as pris 8 ans, toi. C'est beaucoup, hein. C'est tout. Et puis l'autre lui met un coup de coude en disant ah, mais toi, t'as mangé, t'as pris perpète, quoi. Et voilà le. Toi, qu'est-ce que t'as mangé, hein. C'est tout. Il dit ah oui, quand même. Ah oui, quand même, c'est tout. Voilà. Et deux gars là sur le banc, et voilà tout ce qu'ils ont trouvé à se dire. L'escorte met les menottes, ils se lèvent, ils montent dans le fourgon et c'est tout ce qu'ils se sont échangés comme mots. Comment est-ce que vous réagissez à l'annonce de ce verdict ? Pour moi, c'était normal ce verdict. J'attendais pas moins. Donc j'étais vraiment rassurée et c'était logique, c'était voilà. Mais ça pour moi c'était voilà, et je l'ai dit à l'époque, c'est sans haine, sans il faut qu'il reste en prison. Pourquoi sans haine ? Qu'est-ce qui vous permet de ne pas avoir de haine à son endroit ? C'est peut-être dur à dire, et c'est vraiment là où il est très pervers, c'est que la façon dont il a fait comme s'il construisait une relation. C'est-à-dire qu'à la fin, quand il est parti de chez moi, j'ai l'impression, c'est l'impression que j'avais comme ça, c'est que c'était comme quelqu'un que je connaissais, comme vraiment un copain. J'essayais de lui parler à la fin, à lui dire, mais c'est pas bien ce que tu fais dans la vie, tu pourrais faire différemment, etc. Et après, bon, ok, je me suis dit, je me suis fait complètement avoir, mais... Mais il a cette façon de faire qui fait qu'on est complètement sous son emprise et voilà, enfin je peux pas expliquer, la haine ça se commande pas comme le reste, enfin les sentiments c'est... J'ai pas eu de chance, c'est tout. Comment ça s'est passé pour vous dans les années qui ont suivi ce viol ? Globalement, on va dire que j'ai repris une vie normale, mais y a eu un impact assez fort par rapport à mes relations, ma relation avec mon ami, par chance. Bon, ça va, à peu près. Mais les premières années, enfin, ça fait que 5 ans, la période a été quand même très très difficile à passer, quoi. L'affaire Blanche aura des suites. Une suite législative d'abord, puisque cette affaire a encouragé la mise en place du fichier des délinquants sexuels en mars 2004. Et puis une suite judiciaire. Au cours du procès, Bruno, le frère de Jean-Luc, a essayé d'apitoyer ses juges en leur expliquant qu'il était en deuil. Sa compagne venait de mourir. En avril 2008, Bruno Blanche a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle pour l'assassinat de son ex-compagne, celle qui lui manquait tant. Mm-hmm.